Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division, car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites « il fera chaud ». Et cela arrive, hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Forcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. »